Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aide de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Bonsoir, je suis Hélène Goyer, j'ai 43 ans, j'habite à Saint-Jérôme. J'avais un rêve et
J'ai décidé de le vivre. Il était super bon. Elle chante vraiment bien. Là. J'avais vraiment hâte de l'entendre chanter. Là. Un gros bravo. Et maintenant que mes enfants sont grands, j'ai eu envie de continuer le rêve de ma jeunesse, finalement. J'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu faire ça. C'est aujourd'hui à 43 ans que je le réalise. Magnifiquement bien fait. Tout le monde a du talent. J'ai eu la chance de monter sur scène en septembre de l'année passée. Sur une scène, de 305, il y avait 350 personnes dans la salle. Et donc, j'ai eu la piqûre de la scène. Et puis en janvier, ils m'ont réinvité. Et après être venue chez moi, le lendemain matin, je me suis dit, je me fais un show. Je vais plus attendre après les gens. Super bon. La deuxième partie était magique. J'ai adoré le spectacle. J'ai adoré ses compositions. J'ai adoré aussi les interprétations. Je l'aime, Je suis vraiment chanceuse parce que je suis vraiment bien entourée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Ma prof de chant, Caroline Beauvrette, est vraiment super. Elle m'a vraiment donné le goût de continuer. Puis elle a tout de suite décidé d'embarquer avec moi puis d'être ma choriste pour le spectacle. Bonjour, je me présente. Je suis la professeure de chant de Hélène et c'est Marie-Lou, ma fille. Moi, j'ai connu Hélène, elle est venue dans ses premiers cours de chant. Elle était bien nerveuse. Puis elle dit, moi, ça fait des années que je chante, mais tu sais, je suis pas bonne. Puis j'aimerais perfectionner ma voix. Fait que j'ai eu la chance de travailler avec. Elle a une énergie du tonnerre. Pascal s'est offert pour venir être pianiste pour cette soirée-là. Pascal a travaillé avec Marie-Carmen, elle a travaillé avec des grands noms aussi. Sylvie Gagnon, c'est une autre choriste. Elle, c'est aussi une élève de Caroline Beauvrette. Alors, ça a été un bonheur de collaborer comme ça avec Hélène. Écoute, c'est une fille vraiment absolument géniale. Une boule d'énergie absolument totale. Et je suis très contente d'avoir vécu cette expérience-là avec eux autres. Et puis, bravo à toute la gang! Puis mon fils, Louis-Philippe. Fait que c'était vraiment un honneur de travailler avec mon fils Louis-Philippe. C'est toujours un honneur de travailler avec ses enfants, de toute façon. Je viens de découvrir l'artiste! As a play! Dans Jennifer, hein? Merci! Alors, j'ai appelé la Fondation Rêve d'enfant. Rêve d'enfant, rêve d'une vie, ça va bien ensemble. Puis ils ont accepté, là, de... que je donne 2$ par billet vendu pour la fondation. Salut! Merci. La première partie, je l'ai faite, puis quand j'ai chanté la dernière tune, je savais même pas que c'était déjà fini. J'ai aimé ça, je trouve que le spectacle était original avec Hélène. Puis c'est ça, comme ma mère l'a dit, elle a une grande générosité quand elle vient chez nous. Allô, Marie-Lou, puis ça, j'étais très calme. Après la pause, là, je suis revenue très zen. Puis ça a super bien été. J'étais super contente. Puis... Oh, je t'ai pas vu, mais j'ai vu cette soirée. Oui, je suis direct devant. Merci beaucoup. Merci. Mais les grands moments de cette soirée-là, là, c'est vraiment quand je chante mes compos. C'est trippant. Faut que je continue à chanter. C'est ça, ma vie est là, ma place. Puis je l'ai pas pris ma place avant. Et c'est là qu'il faut que ça se fasse, c'est là qu'il faut que ça se vive. J'ai plus de temps à perdre, je suis rendue à 40. C'est bien fait, Hélène. Super.